La présidente, monsieur le vice-président, chers collègues, le budget primitif 2021 est un budget, comme cela a été rappelé, de transition, qui se déploie au cœur d'une crise sans précédent. Notre métropole ne cesse d'agir dans ce cadre au service des populations, du tissu associatif et économique, en assurant la continuité du service public et en investissant pour répondre aux besoins. Ces politiques volontaristes en pleine épidémie ont un coût. En 2020, nos dépenses ont ainsi augmenté de 18 millions d'euros et nos recettes ont diminué de 25. Tandis que l'État n'est toujours pas au rendez-vous de la compensation des coûts de la crise pour les territoires et les collectivités. Malgré ce contexte financier tendu, toutes celles et ceux qui subissent de plein fouet la perte d'activité, de revenus, de travail et le chômage peuvent compter sur la majorité de gauche pour mobiliser des capacités financières et humaines, contribuer à traverser cette période difficile et préparer l'avenir. La gratuité des loyers pour les entreprises installées dans le parc immobilier métropolitain, le soutien aux locataires, les aides aux étudiants, la baisse du prix de l'abonnement TAN, l'aide au monde de la culture ou sportif forment un soutien concret au pouvoir d'achat populaire. Au-delà des réponses de court terme, les communistes en sont persuadés. Les territoires seront des contributeurs directs de la sortie de crise et de la reprise. Le budget d'1,4 milliard d'euros proposé est un outil pour affronter le quotidien et anticiper l'avenir. Contrairement à la mélodie des tenants de l'austérité perpétuelle, il nous faut investir, d'autant plus au vu de la bonne santé financière de notre métropole et des taux d'intérêt très bas. Sur les investissements, le choix politique de s'engager à hauteur de 494 millions d'euros, tout budget confondu en 2021, est une excellente nouvelle. Ce niveau montre nos ambitions politiques, par exemple dans le domaine de la modernisation de nos véhicules de transport collectif, de rénovation énergétique des bâtiments publics, ou encore de renouvellement et modernisation de nos réseaux et ouvrages dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Sur la section de budget de fonctionnement, la hausse des dépenses et la baisse des recettes nous invitent à la responsabilité, tandis que notre épargne diminue du fait des coûts de la crise sanitaire. Pour autant, notre situation financière saine et nous conservons les moyens de mettre en place des politiques publiques ambitieuses, d'autant plus que l'urgence économique, cela a été rappelé, et sociale, est encore devant nous. Aussi, le choix qui est fait de maintenir les taux fiscaux décidés il y a un an est positif dans cette période, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, malgré les réformes de la fiscalité décidées par l'Élysée et Matignon, qui font peser de nombreux doutes sur le dynamisme de nos recettes et sur notre autonomie financière. Pour conclure, le service public ne serait rien sans nos agents. Nous nous félicitons donc dans ce cadre des créations de postes prévues pour cette année. Ces nouveaux agents seront un atout supplémentaire pour combattre la crise et améliorer l'offre de services publics locaux. Alors qu'à gauche comme à droite, tout le monde saluait de manière unanime l'engagement des fonctionnaires il y a encore quelques mois, force est de constater que dans les rangs de la minorité, le discours a désormais bien changé avec le retour du bon vieux fonctionnaire bashing. Nous réitérons ici notre condamnation sans réserve de la réforme des 1607 heures, conçue par les soutiens de La République En Marche comme une nouvelle étape de leur projet antisocial, avec à la clé une réduction du nombre d'agents, un temps de travail en augmentation, additionné au mépris des accords passés entre les collectivités et les organisations syndicales. Avec ce budget primitif, notre métropole se dote donc d'un budget offensif, bouclier contre la crise, instrument d'une relance vertueuse socialement et écologiquement. Les élus communistes approuveront donc ces orientations. Je vous remercie de votre attention.